Bonjour à tous, je suis Luce et bienvenue pour le début du chapitre 2 sur Neverwinter Nights, Shadows of Hundred Tide. Dans le dernier épisode, nous sommes allés dans un étrange temple qui était en fait la cité perdue d'Hundred Tide, dont une personne dont j'ai oublié le nom. Non, bon, ça je le lirai après. Bref, c'était une méduse derrière tout ça qui veut faire renaître la ville souterraine d'Hundred Tide. Et notre compagnon Xanos est disparu. Nous avons été changés en pierre, tout comme lui, mais nous avons été rapportés comme trophée. Et une personne étrange a trouvé que nous étions vivants. Et que du coup, il nous a gardés, nous sommes réveillés, nous avons un collier de... je ne sais plus quoi. Alors, pas celui-là, un collier de serviteur. Et nous allons tout de suite le voir. Mais d'abord, notre pote, l'esclave. On se pousse. Maître Ashtara veut que ce passage à mort. Ah, ce sont des esclaves, très bien. Ils sont marrants, ceux-là. Donc, Maître Ashtara. C'est lui. Par contre, il m'a laissé mon arme. Hein. C'est lui. Ah, c'est Xanos. Xanos. Heureusement, j'ai avec moi un long gant qui de transmutation de. Tu es libéré, Xanos. Ah oui. Bien. Tout à l'heure, non, ça ne sert à rien. Ah voilà, c'était Euro, mes couilles, mon zombie. Oui, nous devons nous dépêcher. Paf, Xanos, donc, comme quoi, c'est ton grand, nous est utile. Et lui, il est devant, oh, il s'en bat tard les couilles. Vous voilà donc, mon esclave, plutôt que prévu. Quel dommage, vraiment. Les statues sont bien plus simples à transporter. Alors, je vais faire un truc dans les options du son, c'est que je vais baisser la musique. Je vais juste baisser un peu plus qu'on entende mieux les paroles. Voilà. Vous voilà. Donc, voilà. Je ne suis l'esclave de personne, car je suis quelqu'un. Je suis Ashtara, le prince marchand des tribus Asabi. Donc, nous n'avons pas l'état d'âme en affaire et que non, c'était pas moi, mon esclave. Sont les Asabi. Ah, ce sont les gens du désert, ceux qui arpentent les dunes. Nous arrivâmes bien avant les vôtres et seront encore présents, blablabla. Mais d'où venez-vous, bordel de merde? Oh, le tuer. Ah bon? J'ai d'autres questions, Ashtara. Mais j'ai envie de te tuer. D'ailleurs, comment parles-tu la langue commune? Ouais. Ah bon, d'accord. Bon, le mital. Ouh, il s'est tombé entre les mauvaises dents, évidemment. Alors, il ne reste pas beaucoup de sang. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Ah oui, la victime au bouton du cou. Alors, pourquoi tout cela? Ah, blablabla. Ah voilà, j'ai besoin de votre aide. Eurolis. Ah voilà, c'était Eurolis. Tous vos ennemis ont-ils un nom aussi charmant? Approchez, parlez-moi d'elle. C'est une méduse, espèce d'enculé. C'est l'aspect créateur dans lequel je vous ai trouvé. Non, sérieusement! Et là, vous avez le malheur d'être l'esclave d'un marchand. Mais tu te fous de ma gueule. Oh, mais tu... Bon. Je vous aiderai dans la mesure de mes moyens, mais hormis cela, je ne... Ah,
Une sélection de personnes. Non. Ah, je peux. Ah. D'accord. Ah oui. Bon. Ah voilà, qu'attendez-vous de moi? La scène serviteur s'occupe des éboulis, des projets plus ambitieux. Un coup, ce papier, voilà. D'accord, bon bah c'est pas mal. Alors. Vous voulez que je porte mon babiole? Bah écoute, hein, j'ai un sac. Ok, vas-y. Oh. Et si j'y pars bien? Serez-vous libre? Est-ce que vous désirez esclave? Mais non. Très bien. Oh. Oh, t'as une magasin. Parfait. Compétence estimation. Réaction négative. Mais tu m'étonnes. Ah, mais je vais pouvoir vendre du bordel. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Je vais te vendre ma merde. Tiens, prends cette merde. Prends ça. Non, ça, je le prends. Ça, je peux toujours pas le vendre. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est en train de m'énerver. Tiens, prends cette merde. Prends ça. Ça. Tiens, prends toute ma merde. Prends tout. Donne-moi de l'argent. Ouais, mais j'en ai trop. Mais prends toute ma merde. Oui, alors tu vas m'aider. Mais d'abord, bon, j'ai de l'équipement. Tiens. Oh merde. Non, ma chérie, je les ai. Non, merde. Merde. Ah, ma furie du désert, elle est où? Elle est où? Elle est où? Oh, putain. Ah, mon dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que... Mais... Oh, t'es sérieux? Ah! Mon sac est trop lourd. J'ai du mal à... Mais attends, calme-toi, espèce d'idiot. Furie du désert, on est d'accord que c'est ce que j'ai vendu qui procure un bonus en mort vivant. Ouais. Donc, ça... Ça va. Là. Tu peux prendre ma merde là et ma merde là. Qu'est-ce que j'ai comme autre babio? Oh putain. Oui. Ah oui, j'ai un arc. C'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Je fais. C'est l'instant course. Hein. Donc je vous invite à aller chercher un peu plus loin dans la vidéo si vous voulez passer tout ce qui n'est pas intéressant. Oh mais j'ai. Oh, j'ai tellement de la merde. Oh la vache. Tiens, puis ça. Ça c'est beau. Écoute, je le garde. Sans dragon, je le garde. Ça, c'est un souvenir. Tiens, prends ça. Amulette de volonté. Non.
Stop! Xanos désire parler! Il y a quelque chose d'étrange ici. Thank you.
ne pouvez pas gagner. J'avais coupé mon micro, j'étais en train de parler dans le vide depuis un petit moment, je ne sais pas. Mais c'était pas grave. Donc, dans l'autre, je vais me répéter. On va faire ça par quartier, dirons-nous, comme pour le premier chapitre. Écoutez, ça s'avance bien, on est déjà à 20% de la quête avec deux golems en moins. Oh, oh, oh. Oh, une bibliothèque, qu'est-ce que c'est ? Laissez-moi lire mes bouquins. Xanos sac à merde. Putain, il y a des trucs off. Bon, il y avait mieux. Oh, le con. Alors, oh, guide du métal de Carbernaki. Alors, on va attendre que la musique arrête de s'emballer. Donc ça s'explique juste oh là là le métal ce qui c'est le métal qui c'est bah en fait c'est ça et y a plus les... oh putain mais quel con Xanos, mais quel con tu... ah tu m'emmerdes Xanos. Bon, ça en fait deux et le troisième doit se trouver quelque part par là bas dans la petite salle qui se trouve à ma gauche ici. Alors attention, rien à gauche, rien à droite. Si, un garde, bonjour. Vous le méritez. Monsieur le garde, bonjour. Pour l'instant ça se passe bien. Ah mais arrêtez de tout casser, putain. Ah mais c'est lui qui casse tout en fait. Tiens, je vais utiliser un feu alchimique. Ça a rien fait, ça fait max dégâts sur lui. Ça m'aura enlevé une petite place. Yay. Trop bien. Alors, ouais, grimoire et grimoire, grimoire, ouais. C'était des marchands ici. Regardons un peu ce qu'ils ont. Ah oui, quand même, ils se mettaient bien, on va dire.
Et là, c'est en ruine. Oh, petite commode. Ouais. Bon. Je pense que cette première zone a été pacifiée de toute nuisance. Du coup, pour être un peu droit et droit et correct, non. Pour être sûr de où je vais aller, on va commencer par le secteur est. Déjà, on va se reposer. Parce que Xanos a pris cher dans ses dents. Et quand je dis cher, c'est... Ouah, c'est cher, violent. Genre, la bonne violence. La bonne violence. Et donc, du coup, paf. Ah. Ah, ça, ah. Ah, merci Xanos. Pour ceci. Et donc, dirigeons-nous vers le secteur est. Petite zone. Hein. Assez... Oh, une étagère. Regardons un petit peu tout ce qu'il y a. Le secret des fiches, des liches. Alors, il détaille consiste par autant un puissant ascenseur de devenir liche la manière dont le texte... Ah, de l'ancien Netheril. Bah écoutez, là il y a un peintre, un petit bureau. Bonjour, je vous vois. Reine des araignées. Ouais. Reine des araignées, empoisonnement. Ah, c'est pas moi, c'est lui. Bon. Oh, une lampe du cicade. Vas-y, brûle-les, brûle-les. C'est le moment de les brûler, Xanos, hein. C'est quand tu veux. En tout cas, oh putain, plus de 100 de vie. Ah bah oui, il y a des araignées. Ah, une armure éthérée. Attends, voilà, on se met à deux. Ça, non, ça ne sert à rien. Je vais arrêter de prendre des objets. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah! Bonjour, hein. Non. Non, pas de bonjour. Ah, ouh! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est un endroit pour réaliser de l'alchimie. Par contre, ton armure, si elle pouvait se manier le cul. Ouais, on a un peu la gueule que ça, c'est garde. Oh oui, ça va, un peu stylé. Non, je veux rien, je suis en misère de mes fesses. Ah, merci. Putain, vous venez que maintenant, vous me décevez les... Oh, qu'est-ce que... On a un petit peu les commodes. Pétrification. Ouais, ça aurait un peu inutile. Oh, petite armure un peu débile. Ouais, ah, mais je gagne 150 direct et fixe. Non, 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 pas les flèches, pas les flèches, pas les flèches. Regarde plutôt ceci, cette étagère. Putain, mais mets-toi devant l'étagère, sombre idiot. Un grimoire moisi. Alors là, par contre, ce coffre... Tu viens de lancer 5... Je vais la déverrouiller moi-même. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh non! It was a trap! Ah là là. Non, il y avait de la merde en fait. Bon, un peu inutile. Continuons. Oh là là là. Chut. Ouais. Ouais. Vers le secteur nord. Oh, ça tourne.
Ça c'est parfait, je pourrai me repérer à peu près comme il faut. Bonjour. 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 Là y'a rien, très bien. Levels. Le comment Azebi, d'accord. Ça se... Ça fait un tour. Et là y'a un truc que je dois aller visiter. C'est pas ça. Je sais pas ce que j'ai réussi, mais j'ai réussi. Je l'ai lu avant que ça se détruise. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait, ça c'est sûr. Bah, du coup, je vais regarder mon journal. Hein. Oh, qu'est-ce que bibliothèque. Allez, je vais essayer de découvrir. Il reste une frontière tirant les ruines de la grande bibliothèque. Ah, bah, on va y aller à cette petite bibliothèque. Hein. Qu'est-ce qui m'y retient de ne pas y aller de toute façon. Voilà. Allez, dégage ça. Voilà, par contre, Xano, c'est en train de m'emmerder. Très très fort. Faisons une petite sauvegarde et regardons un peu par là. Il n'y a rien à part pour aller la suite dans le secteur nord. Et bah, c'est, dis-moi, c'est parfait. Mais ce qui m'intrigue, c'est. Ah! Ah bon, alors journal. Ah bah non, bibliothèque c'est dans. Non. Alors. Ah oui, d'accord. Donc non, donc là on va. Oh putain, les notes. Alors. Bibliothèque. Secteur. On est au secteur ouest, je crois. Ouest, voilà. On va dire que j'ai bien écrit. Bon. Il y a un terrasse qui tient sa parole. C'est en flure. On est à 4 golems. Pour le moment. Pas d'énormes problèmes en sous. Putain, mais appelle, je viens, comment. Ah, puis il y en a au moins une de reine d'araignée à chaque fois. Oh la vache. Putain, merci Xamnos pour cette boule de feu. Je vais te donner une belladone quand même parce que je sais pas ce que tu me fais mais tu me le fais. Montez. Oh, regardons cette araignée. Allez, une boule de feu. T'as fait zéro dégâts. T'as toujours fait zéro dégâts. Ah, petit 12. Mais non, mais sur lui. Antidote. Oh putain. Que veux-tu? Alors. Tiens, je vais te donner de la benadone. Je t'en passe plein. Mais non, t'as dedans. Ah mais je vais te faire du mal en fait, t'as des objets utiles. Non, 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 pas l'option vidéo. T'as des objets utiles de soins, tu les utilises pas. Ah, ça m'énerve.